se situe à Danfreux, dans le Jura. Et puis, j'ai repris l'exploitation familiale de mes parents en 2012. Nous avons un cheptel de charolaise. Ah ben, ce coup de cœur, c'est mes parents qui l'ont déjà eu un peu. Puis nous, en même temps, on est tombés dedans, on était enfants. Il y a 25 ans environ que les premières charolaises sont arrivées sur l'exploitation. Et puis après, on a agrandi le cheptel et puis j'ai repris la suite avec la continuité. Les mères sont très maternelles, un bon comportement au VLH, très, très protectrices, un petit peu justement les premiers jours de VLH, un petit peu à faire attention à ça au niveau des mères, elles sont assez protectrices de leur veau. Nous sommes sur deux sites, un site ici à l'extérieur et puis un site au village et puis on tourne en rotation avec les animaux de la naissance qui se passe à la maison. Avec ensuite la montée ici sur cette exploitation, une fois que les veaux ont 3 semaines, jusqu'à l'âge de 10 mois au sevrage. Sur l'exploitation, ben, nous sommes mon épouse Christelle, et puis encore mes parents qui donnent un bon coup de main au quotidien. On est affilié à Vache-Mère donc, et puis via Vache-Mère, nous avons les deux labels Natura Beef et Swiss Prime Beef, où on vend nos animaux. Puis via ces labels, on a un cahier des charges qui est assez complet au niveau du bien-être animal, au niveau des sorties. Ben, comme ici, on se trouve à l'extérieur sur la SRPA où l'hiver, les animaux peuvent venir quotidiennement s'aérer. Les places à la crèche, tout est dimensionné par rapport aux animaux, qui est suffisamment de place, quoi. Et puis vraiment, la liberté des animaux au quotidien. Alors sur l'exploitation, on a depuis plusieurs années pris contact avec un nutritionniste, Gaëtan Martin, qui nous apporte un œil extérieur, un conseil justement pour améliorer les conditions de vélage, un bien-être aussi, un bien-être pour les veaux à la naissance qui soient de pleine vigueur. Et puis justement par rapport à sa présence et ses compétences, il nous guide, il nous apporte des conseils et puis une alimentation adaptée à chaque phase de la vie de la vache. Avec ces vaches, c'est un retour assez simple de la vie de la vache. Son veau tête, on le guide, on le suit pour l'élever, qu'il devienne un bel animal. Et puis c'est aussi une satisfaction de les voir justement ruminer dans les champs à côté de leur mère ou têter sous la mer. C'est un plaisir de voir ces animaux en quasiment totale liberté. Avec notre troupeau de charolaises, on pâture les pâturages ici aux alentours. Ça entretient justement ces talus. Et puis on a justement une biodiversité qui peut s'épanouir à travers les haies alentours et forêts. Et puis on contribue à l'entretien du paysage avec la pâture des animaux de ces prairies ici.